Alors d'abord, il y a une généralisation perçue de la promotion. À la fois, la promotion aujourd'hui, elle touche tous les secteurs, c'est toute l'année. La promotion, c'est plus seulement pendant la période des soldes, c'est vraiment tout le temps. Et ça, c'est essentiellement, cette perception, elle est essentiellement poussée par les ventes privées, poussée par les ventes privées, par les ventes groupées et aussi par les cartes de fidélité qui se sont tellement généralisées qu'aujourd'hui, la promotion, c'est quasiment quelque chose qui correspond à 20 à 30% du panier d'achat quotidien des ménages, ce que nous disent les personnes en groupe qualitatif. Les promotions sont aussi perçues comme plus attractives. Plus attractives dans le sens de plus intéressantes, avec des réductions plus importantes, notamment beaucoup de 100% remboursés, des moins 50, moins 70%, et également des promotions sur des produits plus attractifs. On n'est plus sur du vieux nanar de fond de rayon, mais on est sur des produits du quotidien, ou alors des produits perçus en tout cas comme beaucoup plus intéressants. Les promotions sont aussi perçues, mais en mineur, parce qu'on a vu qu'en quanti, ce n'était pas vraiment ressorti. Mais les promotions apparaissent comme quand même plus originales et plus innovantes. Beaucoup d'interviewés dans les groupes qualitatifs nous parlaient par exemple de notre avis, mon avis au grand gratuit, qui permet d'avoir des produits gratuits en donnant son avis sur le site internet. Troisième grande tendance perçue, assez logiquement, c'est la digitalisation de la promotion qui est très valorisée parce qu'elle permet un accès simplifié aux promotions et aussi une personnalisation possible. Aujourd'hui, ce n'est plus normal de faire ses courses sans promotion. Quand j'achète au prix normal, j'ai l'impression de me faire voler. Avec la quasi-totalité de nos conso-shoppers qui regardent les promotions. Près des deux tiers déclarent faire beaucoup plus attention ou plus attention aux promotions. 2011, on était plus dans « je vais acheter plus ». Finalement, pour le même prix, je vais avoir plus. Là, on est dans une mécanique un peu différente quand même, c'est je veux le même panier mais moins cher. La promotion avant était assez fastidieuse, il fallait découper des coupons, etc. Aujourd'hui, elle devient beaucoup plus simple, voire ludique, grâce aux nouveaux outils technologiques. Et on a un consommateur qui nous dit avant c'était un truc de vieux, maintenant tout le monde utilise la promotion. C'est plus quelque chose qui est réservé à la ménagère qui va présenter son coupon à la caisse. Et avant de quelque chose d'une image un peu ringarde, un peu honteuse, aujourd'hui la promotion est totalement décomplexée, voire valorisante, puisqu'elle est extrêmement discrète. Quelqu'un qui nous disait « aujourd'hui c'est super discret, tu présentes juste ta carte de fidélité en caisse, et puis voilà, c'est fait tout de suite ». C'est quand même intéressant de voir ce glissement de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. On va maintenant vous parler des outils de promotionnels d'aujourd'hui et de demain. Donc on les a quasiment tous passés en revue dans l'étude. Des catalogues, au bon, il y a même des questions sur les tickets de caisse. Et après, on est allé sur des outils plus novateurs, que ce soit les cartes de fidélité digitales, les coupons digitaux, les QR codes. Aujourd'hui, avec la promotion digitale, on se retrouve sur un support qui est dynamique. Donc il ne nécessite pas d'opération manuelle, tout est automatique, mais il n'y a pas non plus d'encombrement, on peut personnaliser ses promotions. Et tout ça, ça offre un champ extrêmement vaste de potentialités pour des nouvelles promotions. On passe aussi d'un lieu de vente géographique délimité dans l'espace à un lieu de vente numérique. Le lieu de vente numérique, c'est un lieu qui transcende l'espace physique, qui multiplie les opportunités parce qu'à la fois on peut faire de la géolocalisation, mais en même temps, il y a des nouvelles applications aujourd'hui qui existent et qui proposent de voir dans un rayon, dans le rayon par exemple de son domicile ou à proximité de chez soi, quelles sont toutes les promotions les plus intéressantes dans toutes les enseignes. Donc on peut imaginer que l'étape supplémentaire, c'est qu'une application propose de regrouper toutes ces promotions et vous propose à la limite de vous les proposer en ligne, de vous les livrer directement chez vous en faisant son marché chez les différents distributeurs. Par rapport à 2011, eh bien écoutez, ça n'a pas tant évolué ça. Dirais-je, c'est presque un petit peu rassurant, puisque quand on voit que la promotion se généralise, que la promotion se décomplexe, finalement, notre groupe de chasseurs de promotion, certes, il se radicalise, mais il concerne toujours environ 20% de nos conso-shoppers. 1 sur 5. Le groupe qui a le plus évolué, c'est le groupe des sensibles au prix.
voit aujourd'hui, par exemple, qu'on est dans une société où il y a une exigence d'immédiateté. Et cela ne laisse plus la place à des promotions chronophages. Il faut absolument que le travail pour accéder à la promotion soit avec un temps réduit. Sinon, on passe à autre chose. Parce que la promotion, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi du temps. Et s'il faut faire un effort trop important pour accéder, on va se détourner de sa promotion.